Après avoir fait les beaux jours de C8 pendant de nombreuses années, Enora Malagré s'était fait plus discrète à la télévision depuis son départ de Touche pas à mon poste en 2017. Si elle a fait quelques apparitions sur la chaîne du groupe Canal+ entre 2019 et 2020, en tant que chroniqueuse dans l'émission De quoi je me mêle de Eric Nolo, l'animatrice fera un retour en grande pompe sur C8 à la rentrée de septembre. En effet, comme elle l'a annoncé sur Instagram ce lundi 7 juin, Enora Malagré s'est vue confier les rênes d'un tout nouveau programme. Un magazine sociétal qui sera diffusé mensuellement sur la 8 mai dans lequel l'ancienne acolyte de Cyril Hanouna n'apparaîtra pas, je ne serai pas à l'antenne. Je crée ce que l'on appelle un tout image, a-t-elle précisé. Alors qu'elle travaille déjà activement sur ce grand projet, Enora Malagré en a profité pour lancer un appel à participation à destination des agriculteurs, mais également des animateurs de radio locale. Le concept de cette future émission demeure toutefois un grand mystère qui sera très certainement levé dans les semaines à venir. Enora Malagré de retour dans TPMP? Tandis que beaucoup espèrent un jour revoir Enora dans Touche pas à mon poste, pour la jolie blonde de 40 ans si est un nom catégorique. Invitée du Jarry Show en janvier dernier, elle a assuré qu'elle ne retournerait pas dans l'émission, si est incroyable, cette question, je la ai 800 fois par jour. Si est incroyable. Et si est pas grave, je serai estampillé toute ma vie TPMP. Alors la réponse elle est simple, si est, jamais. Jamais, a-t-elle expliqué. Sûre d'elle, elle a ajouté, si est à dire que j'ai beaucoup d'affection, de tendresse pour cette émission, j'ai évidemment une amitié très solide avec Cyril Hanouna, note de la rédaction. Déjà, place au jeûne et j'ai fait 7 temps. Si est très long. Je suis parti pour des raisons très fortes. Un retour en arrière serait illogique, cynique et puis je n'aille plus ma place. J'ai eu 40 ans, j'ai envie d'autre chose. Déjà, j'ai moins envie de faire de l'antenne parce que mon ego est très rassasié.